Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On ne va pas couper les cheveux en quatre, on va tout de suite parler du livre de Guy Roger, c'est dans Causement Réunionnais. C'est pas Koussoum qui me dira que je la reprends à rebousse-poil. Bonsoir Koussoum. Bonsoir, Jessie. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir. Alors. Alors, vous vous souvenez, j'étais déjà venue avec Guy, on avait parlé déjà de L'infini en soi, un livre qui était sorti en 2020. Et là, j'ai eu la chance de relire son dernier livre, ou avant-dernier, je ne sais pas. C'est le dernier, C'est le celui-là. dernier, Oui. La voix de l'éveil, qui est sorti en novembre, enfin en 2021. Et donc la différence un petit peu, s'il faut comparer les deux, le premier, L'infini en soi, c'était vraiment une introspection. On rentrait, il fallait aller à l'intérieur de soi pour aller chercher tout ce qui était positif et le sortir. Alors C'est que ça que j'ai toujours trouvé intéressant, tout ce qui est positif en nous. en nous, voilà. Mais pourquoi il faut-il que ça soit positif en nous? Ben, parce que c'est ce qui va peut-être permettre, hein, si je suis Guy Roger, peut-être que c'est ce qui va permettre après d'avancer ou d'aller vers quelque chose, que si on reste dans le négatif, et donc peut-être qu'on, voilà, enfin il Alors, me le dira. ça aussi, c'est un concept, le positif et le négatif. Guy Roger, bonsoir. Ouais. La question, c'est ce que dit Koussoum est vrai, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Non, J'essaye mais juste d'élargir un petit oui, peu. c'est ça. Si tu as lu ça, c'est que c'est pour la majorité d'entre nous, c'est un concept qui a été réalisé et on a dit que c'est mieux d'être positif que d'être né négatif. Exactement, c'est Et tout le ça. monde te le dira sur la planète Terre que c'est mieux d'être de Oui, positif que c'est que d'être négatif. négatif. Par Mais contre, avec quoi tu es négatif et avec quoi tu es positif, ce sont avec tes pensées. Les pensées, ce sont des pensées. Les pensées, elles n'ont pas de valeur dans le oui. sens où elles sont positives. Ce sont des pensées. Et la pensée qui est positive ou négative, eh ben, c'est avec ça qu'on s'exprime. Par Exact. contre, on ne s'exprime pas pour de vrai. On met beaucoup de choses sous le tapis. Ah oui. Okay? Et c'est ça notre erreur. C'est que quand on met les choses négatives sous le tapis, on ne sait pas qui sont là, on oublie qu'ils sont là et on se fait croire qu'il n'y a que le bon en moi. Oui. Tu sais, en fait, tu es fait de tout. Voilà. Tu es fait du bon, du mauvais, du Et grand, du donc on va petit. oublier l'autre partie qu'on n'a pas envie de regarder. C'est ça. Hein? C'est Et ça. ça, on va le mettre de C'est côté. peut-être ça l'erreur. Pourquoi occulter une partie de soi? Parce que on est formaté peut-être par la société. Enfin, il le dit un peu hein, dans ses livres que cette société nous formate à ne pas avoir ce regard. Et donc on se l'intègre, on l'intègre en soi. Et donc on arrive en se disant, bon ben non, ça c'est pas joli. Hein, voilà, je vais pas dire Voilà, que parce je que suis un tout peu comme ça. parce C'est que ça. rien que le titre, l'infini en soi, c'est ça? L'infini en soi, oui, L'infini en c'était soi. loupé. L'infini qui est en nous ne peut être que positif. Oui. Il peut rien être autre. Ouais. Sauf Non, que non, non. L'infini à la en fin, soi, voilà. l'infini en soi, c'est tout. Le cosmos, l'univers, c'est tout, Tout, tout. tout, tout. Avec le bien, le mal, le bon, le Des grand, planètes la qui s'entrechoquent. tristesse, la joie, tout, tout Tout, est là. oui. Et nous vivons tout ça, nous sommes tout ça. Et Oui. donc, il faut vivre tout Tout ça. ça, Et quand exact. tu vis tout ça, alors le fait de vivre tout ça, tu comprends qu'est-ce qui te donne de la joie. Mais si tu sais pas, si tu divises tout ça, eh ben tu seras dans la pensée, dans le mental. Et le mental n'a aucune joie et ça fait des répétitions et tu ne te retrouves jamais à être vraiment vrai. Parce que être vrai, c'est être tout. C'est être tout, oui. C'est le connais-toi toi-même de Socrate un peu. Donc, Exactement. finalement, la voie de l'éveil qui arrive juste Qui après, arrive, oui. c'est donc pour que l'être humain accepte tout ce qu'il est. Accepter tout. Et justement, en sous-titre, il y a marqué, Au-delà du bien et du mal. voilà, Au-delà de bien et du c'est-à-dire mal. qu'il faut voir la vie au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu penses être bien ou mal. Tout est à accueillir. Et C'est-à-dire, on ne peut pas dissocier, on ne peut pas le dissocier. Une fois que tu dissocies tout ça, ça veut dire que tu as déjà comparé, ça veut dire que tu as déjà critiqué, ça veut dire que
tu es déjà en dualité avec les choses autour de toi et en toi. Exact. Et ouais. Moi, je dis que c'est la ça. Paix, ça vient quand il n'y a plus de dualité. Ouais. Quand tu as accepté que tout ça, ça fait partie de soi. Ouais. Ça fait partie de la vie. Mais le problème, c'est que quand tu as vu, alors tout s'harmonise. C'est quand tu as vu que tout s'harmonise. Mais quand tu ne vois pas, il y a la dualité. Mais une fois que tu as vu, ça s'harmonise. Oui, c'est comme des freins. Et d'ailleurs, dès la préface, vous dites la peur. La peur, donc ce mal qui est associé à la peur, ce mal qui est aussi peut-être associé à toutes ces valeurs de religion que je vais mettre entre guillemets, qu'on a, même si on n'a pas les mêmes religions, mais c'est là, c'est ancré, et donc il faut, qu'il faut un peu sortir de cette histoire que de la machine qui voit tout, qui connaît tout, comme vous le dites. Hein. Vous comparez aussi ça hein, avec cette machine qui vous broie, parce que vous êtes tout le temps dans une vision du mal. Et que... C'est-à-dire que, tu vois, toute la société te dit, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant. Ben oui. Ta maman te dit, ta religion te dit, ton prêtre te dit, ton école te dit, tes amis te dit, ton mari te dit, tes enfants te dit. Il ne faut pas être méchant. Mais les amis, nous sommes méchants des fois. Oui. À moins qu'on se mente à soi-même. On peut dire que je ne suis pas méchant. Mais on a tous fait des choses qui n'étaient pas agréables à quelqu'un un jour ou l'autre. Oui, oui. Et que l'autre a dit ça, c'est méchant. Eh bien, alors qu'est-ce qu'on fait? Comme les gens qu'on aime bien nous donnent des petits compliments, des petites caresses dans le sens du poil, eh bien, on ne veut pas perdre ça. Donc, on fait semblant, quand on est méchant, on fait semblant de lui faire croire que tout va bien. Et alors tout le monde sur la planète Terre fait croire à tout le monde que tout va bien, mais tout va mal. Donc on n'est pas vrai. On n'est pas vrai. On vit la vie pour faire plaisir à l'autre. Et pour garder, comme vous dites, ce confort. Hein, à un moment, vous dites pour constituer une zone de confort et de sécurité. Hein, c'est ce que vous écrivez. Et donc ces mensonges, on va dire ces mensonges, c'est fait aussi pour ne pas perdre la face et pour rester dedans. Parce que c'est difficile l'image. De se dire, oh là, moi je suis une méchante fille, des fois je pense à des choses qu'il ne faudrait pas penser. Oui. C'est peut-être pas agréable, quoi. Ouais. Je vais faire quelque chose de pas gentil. L'éveil de soi, c'est de s'éveiller à soi-même, donc d'accepter tout ce qui est en nous. Oui. Oui, accepter tel que tu es. Voilà. Sans critiquer, sans juger, sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Mais qui le fait vraiment? Eh bien, c'est rare parce que nous sommes conditionnés à vivre la vie qu'on aimerait, qu'on t'a fait croire qui est bien pour toi. C'est-à-dire la zone de confort, réussir dans cette société, arriver à quelque chose pour que tu sois bien vu. Et quand tu te donnes cette image-là, tu n'es pas vrai. Et quand tu es divisé des uns et des autres, il y a l'Américain, le Chinois, le riche, le pauvre et tout ça, tous divisés, alors se crée la division. Dans cette division, il y a une rivalité. On est en rivalité, ouais. Les uns avec les autres, qu'on aime ou pas. Tu vois, on n'est pas toujours d'accord. Et donc, à l'issue de ça, on a fait une société, et cette société, dans cette société, eh ben, au bout de tout ça, de toute cette chaîne-là, il y a la guerre. Il y a des gens qui meurent de faim. Parce que nous sommes comme ça. Ça, je l'entends. Mais quand on regarde tout ce qui s'écrit, tout ce qu'on montre, toutes les bonnes choses sur l'éducation, sur la psychologie, sur les schémas de comportement, on veut tous aller dans la bienveillance. On veut tous aller sur une posture que, à la rigueur, on va mettre en avant, on va dire oh, comme c'est beau, comme c'est bien, comme c'est bienveillant. Mais pourtant, quand on regarde l'être humain, allez, c'est un petit peu comme on est à la télé. On va toujours dire que des bonnes choses. Et après, quand on va vivre hors caméra, oui, c'est un peu, oui. On va être soi. Oui, on ne se tiendra pas aussi droite. Voilà, voyez, c'est la question, elle est toujours là, c'est de savoir qu'est-ce que on prend en nous. Est-ce qu'on prend tout vraiment? Est-ce qu'on accepte tout? Est-ce qu'on est responsable de tout? Mais est-ce qu'on va pour autant
vivre tout ce qui est en nous. Ben, ce qu'on veut, c'est ça. C'est-à-dire, quand on entend parler toute notre vie du nirvana, de quelque chose, d'être dans la bienveillance, dans la compassion, il faut s'aimer les uns des autres, on prône ça. Mais c'est l'idéal qu'on prône. L'action n'est jamais faite comme ça. Nous ne sommes pas ça. Et nous devons nous demander pourquoi ça n'existe pas en nous. Pourquoi on n'arrive pas à vivre ensemble? Pourquoi il y a des disputes? Pourquoi il y a des divorces? Pourquoi les gens n'arrivent pas? Pourquoi il y a des guerres? C'est une question qu'on peut se poser à soi-même. Pas au président Macron, mais à soi. Pourquoi le monde est comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à m'entendre avec mon ennemi? Pourquoi le voisin qui a fait quelque chose, j'aime pas, et puis ça déclenche une guerre? Pourquoi? Parce que moi, je veux atteindre quelque chose, tu vois. Et cette chose que je veux atteindre, c'est une illusion. Et je le dis bien, surtout dans la fin de mon livre, j'explique que les gens qui cherchent le nirvana, qui cherchent à travers tous ces groupes de New Age, qui veulent faire des méditations, hein, 10 minutes ici, un petit peu de yoga par là, et puis tout le monde est content ensemble, on dit « oh, on est heureux, on est heureux ». Mais en fait, on est en train de poursuivre un bonheur qui nous donne une gaieté. Mais l'éveil de soi, n'a pas besoin de courir après pour être ça. Il est là, il est comme ça, il est déjà là. Mais c'est pas ce que nous cherchons qui est faux. La plupart d'entre nous, on cherche dans notre vie quelque chose qui va nous égayer, qui va nous donner quelque chose, qui va nous sortir de notre carcan. Donc, toute cette recherche occupe l'esprit. Et quand l'esprit est occupé, eh ben, il s'égare. Parce qu'un esprit qui n'est pas occupé, c'est là où les choses se font. Les choses s'établissent là, juste comme ça. Oui. Et c'est ça l'éveil. Oui. L'éveil, c'est de ne plus être occupé avec toutes nos tracasseries, avec toutes nos apparences, avec toutes nos envies de devenir, d'être ce que les gens aimeraient voir, ou bien ce que moi j'aimerais pour mon désir, pour mon plaisir d'être au nirvana. Et donc, vous expliquez aussi à un moment qu'il faut donc identifier ces illusions, identifier ce qui nous... ce miroir qui fait casser un peu ce miroir qu'on veut de ressembler à des héros, ressembler à des gens dont on sera jamais, voilà, qui nous ressembleront jamais. Donc, il faut se délester un peu de tout ça. Et à partir de là, on va commencer, d'où le mot éveil, et c'est à partir de là qu'on va commencer à se voir un peu comme... tel qu'on est. Comme on est, et va commencer donc ce chemin, ce chemin-là de l'acceptation. Déjà de ce qu'on est, de l'acceptation que ouais, bon, c'est vrai que ça, je n'aime pas et je n'ai pas envie de faire et maintenant je vais commencer à dire non. Voilà. Exactement. Même si on va penser que je suis méchante, mais je ne suis pas. À un moment, vous parlez de héros, nos rêves, ainsi les promesses de ce qui est gratifiant sont les rêves de nos futures générations qui mettront leurs héros. Voilà. Donc, on a fini avec cette histoire de ressembler à des héros, de devenir. Devenir quelqu'un que l'autre aimera voir. Voilà. Et il me semble que dans notre société aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Beaucoup d'entre nous, on vit nos vies parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un, parce que si quelqu'un quelqu'un ne nous accueille pas, alors on est malheureux. Donc on veut lui faire croire que je suis quelqu'un que tu as besoin. Donc je me donne l'image, toute l'apparence que l'autre a besoin. Et l'autre, il va dire, ah oui, il est bien, c'est quelqu'un qui a réussi, c'est bien. Donc je t'accueille dans ma gloire, tu sais, je te mets sur un piédestal et tu es quelqu'un. Et toi, comme tu as besoin d'être reconnu pour exister, alors pour toi, ça devient important. L'apparence que les autres te donnent devient important. Autrement, tu sais très bien combien on a peur du regard de l'autre. Oui. Parce qu'on est jugé par le regard de l'autre. Mais est-ce que c'est pas non plus... on marche pas sur des œufs si on se dit, bon ben voilà, et qu'on se voit vraiment de façon qui est différente de ce qu'on a pris. Alors pendant 50 ans, je me suis imaginé être cet être-là, et puis paf, je tombe de haut parce que je me dis, ben non... Je ne suis pas ça. Est-ce que ça ne peut pas perturber et ensuite nous mener à perdre des sens de notre vie? Parce que ça peut être brutal quand même, cette affaire de se regarder et de constater que... Ce que nous sommes aujourd'hui est un problème.
aujourd'hui, ce que la façon dont nous vivons, nous les êtres humains, c'est ce que nous avons fait autour de nous, la société qu'on a. Est-ce que tu penses que cette société, elle tombe pas en lambeaux? Est-ce que tu penses que cette société, elle est éthique? Est-ce que tu penses que là-dedans, il n'y a pas quelque chose qui est malade? Alors moi, je pense que si tu as compris ça et que tout tombe en lambeaux, tant mieux. Parce que alors, tu vas comprendre que là, tu étais en train de vivre une vie de malade et tu vas peut-être voir qu'il y a quelque chose d'autre qui n'est pas malade, qui est juste, qui est vrai, qui est sincère, qui est terriblement unifiant, harmonieux, qui est ordre. Autrement, tout ce qu'on est, c'est pas l'ordre. On est en cacophonie. Et il faut aller vers là-dedans et mettre de l'ordre dans sa maison-là. Mais combien de temps? Parce que, bon, c'est vrai que là, vous expliquez, hein, c'est toujours un peu comme une thèse, vous expliquez. Hein, mais combien de temps? Le temps, c'est quelque chose aussi. Parce qu'on ne se rend pas compte, c'est un long chemin hein, pour arriver à se rendre compte de qui on est. Oui, de, ça, le facteur temps. Oui, des fois vous en parlez, mais des fois vous le passez, comme si c'était peut-être pas si important que ça. Oui, oui, et c'est même pas du tout important. Ah, d'accord. Parce que pour moi, le temps qu'on fait pour être ce que je serai demain, je suis là maintenant, et demain je veux être ce que j'aimerais. Mais est-ce que ça prend du temps pour être soi? Tu es ce que tu es déjà. Okay. Je pense que quelque part, on le sait. Oui, mais le temps que tu vas prendre pour le faire, c'est toute la résistance que tu vas mettre. Et on appelle ça le temps. On dit ça, il faut encore travailler dessus. On se dit, ben oui, mais là, j'arrive pas, mais peut-être en faisant un petit peu de yoga, un petit peu machin, j'y arriverai. En fait, tout ça, c'est de l'illusion. On se crée des illusions pour faire exister quelque chose qui a toujours existé. Et alors, quand on l'a, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Mais parce que, en fait, on ne l'a jamais. On ne l'a jamais. Parce que ce que tu cherches, c'est que tu vas trouver, si tu cherches ça, ben, tu vas trouver le désir que tu veux. Et quand tu trouves un désir, eh ben, il y a toujours une déception. Parce que ce n'est pas ce que c'est un désir que tu as, une illusion, une description que tu inventes pour pouvoir être. Eh ben, c'est toujours rien. Oui. C'est pas la chose. Et donc, pour rebondir à ce que vous dites, quand vous êtes sur le chapitre de la résistance, c'est comme un château de cartes. Mmh. Alors, une fois qu'on a enlevé une résistance, qu'on a essayé de réussir à en enlever deux, alors ça commence à s'effondrer. Là, ça commence à s'écrouler un petit peu. Et donc, on le sent aussi dans votre écriture que, et voilà, ça y est, ça se pose. Mmh. Ça devient plus, voilà, plus, comment dirais-je, par rapport à l'infini en soi, où l'écriture était plus argumentatif, plus convaincant. Là, on a une fluidité qui commence et qui arrive juste après le chapitre des résistances et jusqu'à ce qu'on arrive à trouver le chemin. En fait, on a l'impression que les deux écritures... Parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait parce qu'on veut. Ouais. Tu comprends? L'éveil, c'est pas parce que tu veux que tu seras éveillé. C'est ça. C'est justement parce que tu ne veux plus rien. Et à ce moment-là, ben, tout coule de source. Tout est logique, tout est normal. Quand tu crois plus au Père Noël, ben, tout est OK, il n'y a plus d'histoire. Tout est normal. Tu vois, il y a une réalité qui se met en place, qui est juste logique. Tu vois, mais c'est pendant que tu te racontes des histoires qu'il y a toutes les complications de notre vie. Tous les jours, ça se complique parce qu'on essaye de mettre des choses en place qui ne sont pas vraies. Ben oui. Mais alors, pour quand on dit l'art de percevoir au-delà du bien et du mal, ça, c'est quand même un travail qui est difficile, je veux dire. Oui, parce que ce que nous sommes, c'est un paquet de conditionnements. Voilà. Tu vois les choses comme les gens ils t'ont dit comment elles devraient être. Tu vois l'assassin, tu dis « ça, c'est mal ». Tu vois le bon, tu dis ça c'est bon. Par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas séparer les deux. C'est-à-dire l'autre là-bas, il ne sera pas considéré pour toi. Il n'y aura aucun amour de ta part pour lui. Tout va être donné à celui qui fait ce qui est à ton goût.
même si tu es convaincu que si tu étais à sa place, peut-être que tu aurais aussi réagi Exactement, exactement. comme lui. Donc, ce que tu fais en te dissociant en dissociant le bien et le mal, tu te sépares des uns et des autres. Donc, à un moment, il y a le bon, le vilain, le gentil, le mauvais, comme dans les films américains, tu sais. Et puis, à la fin, tout le monde haït le vilain et tout le monde aime le bon, tu vois. Mais en fait, tu vois, on est en train de se leurrer parce que la vie, c'est pas que le bon et que le mauvais. La vie, c'est de pouvoir mettre les deux et puis que tout le monde puisse se réunir pour pouvoir faire un monde où tout le monde trouve l'unité, pour qu'on puisse s'unir. Et sans cette au-delà, sans cette vision au-delà de ce qui est bon ou pas bon, eh ben tu vas être toujours confronté à la division. Et oui. On va s'arrêter à cette à cette unité, D'accord. puisqu'on a déjà dépassé d'une minute le temps qui nous est imparti. Donc, merci Guy Roger. On rappelle donc le titre du livre, La voie de l'éveil, c'est juste après l'infini de soi. Et c'est vrai que lier les deux, Kusum a eu raison de lier les deux. C'est vrai que ça, et je pense que Guy Roger a fait en sorte que la voie de l'éveil arrive au bon moment pour que cet infini de soi, on puisse aussi l'exprimer un petit peu, Voilà. même si on n'exprime Exactement. Qu'une une infime partie. Merci Guy Roger. Kossoum, on Merci. Reste ensemble parce qu'il va y avoir un autre invité. Oui. On regarde un sujet et puis on se retrouve juste après.